Ce que ces trois jeunes pensaient être une bonne soirée d'Halloween va se transformer en cauchemar. Il est de retour, comme tous les ans le soir d'Halloween. Barricadez-vous chez vous et piégez-le pour tenter de fuir. Cette soirée d'Halloween va être longue, très longue. Des bonbons ou un sort ? Ouais, j'ai fait flipper ce mec. Non. Bon les gars, va chez toi, on vous êtes prêts pour cette soirée d'Halloween ou quoi? Oui. Yeah, vous avez vu nos costumes, ils sont trop stylés. Ah, moi aussi je vais aller prendre une machette là. Hey. Oh putain. Les gars, trop bien l'enceinte, ça fonctionne trop bien. Tranquille. Ah, vous inquiétez pas messieurs. Un boucher avec une tête de cochon. Ah ouais. C'est des enfants, c'est genre. C'est stylé hein. Ils sont bizarres. Allez, let's go les gars! On va faire peur aux gens du quartier Arlington! J'espère qu'il est là ton père, ça va être vraiment drôle! Ah oui, oui! Eh Daryl, si on arrive à faire peur à ton père, ça serait incroyable! Wouah! Mais ton père, il a abusé sur la constru là! T'as vu la déco qu'il a fait? Ah, il a fait toute la maison! Eh venez, les flics! Venez, on leur fait peur aux flics! Venez! Ah oh, putain! Alors! Si vite avec vous, hein. Un bonbon ou un sort? J'ai pas trop de bonbons, quoi, sur moi, là. Vous devriez en avoir, hein, c'est Halloween, monsieur. Ouais. Oh, il a mis une enceinte! Eh, le voisin du père Daryl, il a mis une enceinte, c'est incroyable! Écoute! Oh, il sort avec une hache! Mais c'est trop stylé! Ah, suis-moi. Vas-y. Soit des fruits, soit des bons becs, parce que c'est mauvais pour la santé. Et c'est pas bah pour non, le pas des filles. Sérieusement, non, mais toutes les traditions sont perdues mais ou quoi là? C'est bon, j'ai des bons becs. Vous voulez quoi? Des Haribo? Ouais! Regarde, c'est la nuit! J'ai le papa, des Haribo, Oh, énorme, regardez! Oh, trop stylé! Eh, hey, trop stylé ton costume, mec! Incroyable! Ouais, merci. Ah, merci, monsieur! Merci beaucoup! Bah écoutez, voilà, super votre maison mais en tout cas! Pas trop, ça fait des carrières! Trop ouais, stylé votre baraque. Eh oui, c'est mon père, je l'ai pas reconnu. Ouais. C'est mon père en plus. Ah ouais, c'est ton père. Merci le gars. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien. Ouais, bonne soirée, monsieur, merci. On va chez le voisin en face de chez ton père. Et venez, on se met aux fenêtres. Et vous savez, on fait claquer les couteaux et tout. Et la tronçonneuse sur les fenêtres. Et on fait genre, on leur fait super peur et on parle pas. Vas-y. Go. Ok. Wow, stylé les déguisements. Wouah les gars, il s'est jeté carrément. Oh, il s'est jeté du balcon. Wouah. Baissez vos armes. Mais c'est pas des armes, monsieur. Oh, monsieur, vous avez jeté. Eh, vous êtes jeté du balcon. Je peux vous mettre sur TikTok, monsieur. Attendez. Les enfants. C'est où les enfants? Venez, sortez, venez. Ouais. Sortez de chez moi, s'il vous plaît. Venez. Eh, vous nous avez pointé avec un vrai flingue ou quoi là? Oui, bah justement, parce que vous étiez en train de taper avec votre vos couteaux sur la porte. Et monsieur, c'est un couteau en plastique. Vous avez une attitude mentale. Touchez, c'est en plastique. Justement, mais quand même. Oui. C'est quand même, c'est considéré comme une arme blanche. En plastique. Oui, mais ça change rien, vous donnez des couteaux. Un coup de couteau, je sais pas si c'est du plastique. Ouais, mais monsieur, c'est un ouf. Regardez ma vidéo TikTok. Regardez, je vous montre sur mon téléphone. Le mec s'est jeté du balcon. Incroyable. C'est très grave. Je comprends, ok, que vous soyez à fond dans Halloween. Mais prochaine fois, toquez à la porte, mais ne rentrez pas dans la propriété. Vous m'avez fait une peur bleue quand même, les enfants. Mais attendez, vous avez vraiment cru qu'on était des vrais tueurs? Et on y voit qu'il y a des. Ah, vous savez, il y a de tout dans cette vie. Pardon, monsieur, c'est Les gars, oh le costume, les gars, high five, tapez là, on a réussi à le faire flipper ce mec. Ah ouais, on a réussi. Ouais, on est les meilleurs. Wouah, mais c'est quoi ce truc? C'est énorme! Mais putain! Je sais pas! Mate le bon bec! Hôtel! Regarde, monsieur à la fenêtre! Wouah, trop stylé! Wouah, mais c'est trop stylé! Eh, hey, il avait le même costume que toi! Mais ça va pas, monsieur! Monsieur, ça va pas, vous avez poursuivi mon ami là? Wouah! Wouah, l'enceinte c'est trop bien, ça fait trop de son et tout, les mecs ont peur!
Monsieur McCool, il y a quelqu'un d'autre qu'à votre costume d'ailleurs. Le voisin là-bas, vous savez, avec le chalet là, il a le même costume que vous. Il y a un psychopathe, on est à foutre des merdes. Police. Comment ça, il y a un psychopathe? La police vous traite. Il va me frapper là. Il va me frapper là. Il dit je suis un psychopathe, il dit je suis un psychopathe, je suis un psychopathe. Mais waouh, commence à y avoir du feu dans le quartier là. Monsieur McCall, vous avez des bons becs? Parce que bah là, je pense qu'on va aller en centre-ville. On va aller en centre-ville. Vas-y, rentre, fais-toi plaisir. Et on va aller en centre-ville et je pense qu'on va. Waouh, trop stylé. Vous avez dépensé combien cette année, monsieur McCall, pour les déguisements et tout? Ah, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop même. Eh, monsieur McCool, 75 000 dollars en plus. Je voulais vous dire que vous étiez le plus cool. Et en plus, je dis pas ça parce qu'on va aller en centre-ville. Si vous pouvez nous payer des bières, histoire qu'on puisse profiter de la soirée d'Halloween. Vous savez, on a 16 ans maintenant. Alors attends, bouge pas toi. Ouais, bon, ton père il est trop cool, voilà. Daryl. J'ai quelque chose qui peut t'avoir des bières. Un couteau, tu t'arrives, tu. Mais c'est un vrai, le mec, puis il te donne des bières. Mais c'est un vrai, bien sûr. Bah merci monsieur McCool en tout cas. Oh merci, merci. Bon, oh, pourquoi y'a des mecs du Gugu? Oh ouais, ouais, c'est chez moi, c'est dans la fête. Mais pourquoi il est chez le voisin? Salut. Bah, what? Il est où? Monsieur, sortez de chez moi. Oh, oh, wow. Non, 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 c'est rien. Non, 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 il dort. Putain les gars, y'a un putain de cadavre. Y'a un cadavre. Bouge. Vite, y'a un cadavre. Il fait dodo, je te mire. Y'a des bonbons, y'a des bonbons. Vas-y, venez, on va manger des bonbons. Eh, vas-y, t'approches pas de moi, toi. T'approches pas de moi, là, sale tueur. Bouge de là. T'approches pas. Ouais, c'est un malade, il a tué quelqu'un. Tu me touches pas. Police. 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 Le mec là-bas qui s'enfuit. Le mec qui s'enfuit, il a tué quelqu'un dans le manoir. Il a tué quelqu'un dans le manoir. Il est où? Là. Lui, là. Lui. C'est le petit Maillard, là-bas, dans la rue. Mais quoi, le petit Maillard, il a rien fait, il était avec nous, qu'est-ce que vous dites? Si, je l'ai vu avec un couteau, d'accord. Taper, il était avec nous, qu'est-ce que vous dites? On était chez son père. C'est le malade. C'est lui qui a écrasé mon pote. C'est lui qui a écrasé mon pote. C'est quoi ce bordel ce soir là? Vas-y, on va dans le centre-ville. Ouais, vas-y, go, on va dans le centre. Si tu menaces le mec avec un vrai couteau et que tu te fais choper par les flics, on est foutu, mon gars. On va s'acheter des bières, mais on est majeur, vous inquiétez pas, monsieur l'agent. Non, 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 non. Vous étiez pas majeur. Tout à l'heure on s'est trompé. Si regarde, on est majeur. T'es un malade, mec. Ah, trop drôle. T'es ouf. Non, c'était pas drôle, c'était mais qu'est-ce qu'ils font là ici? Bah, on va prendre des bières, monsieur. Les gars, matez-moi les baraques. Eh, venez, vraiment, eux, on les fait flipper de ouf. Regarde qui sont. Bordel. Eh, on peut rentrer là. Ouais, mais. Eh, non, faut pas. T'étais ouf. Oh, les gars. Les gars, y'a des fusils dans l'armoire. Et l'autre, y'a pas de munitions. Eh, faut qu'on se casse au cas où qu'il arrive. Attendez, je vais le cacher dans ma cape, c'est incroyable. Ah, j'entendais une voiture se garer. Bien vite, faut se casser, les gars. Eh, faites quoi? Sa propriété, là. Ah, monsieur, c'est une blague. Eh, des bonbons ou un sort? Wow. C'est une blague, c'est une blague. Vous êtes tendu! Calmez-vous! Oh, c'est dégueulasse! Bah oui, on fait Halloween! Ah oui, c'est Halloween! Ah ouais, bah super! Ouais, c'est Halloween! J'ai peur! Je cherche un peu club! Vous avez vu, c'est avec mon enceinte que je fais ça! Bah, vous avez vos vitres qui sont cassées, je sais pas pourquoi! Ah putain! Ouais, trop belle, j'ai des mars! Trop bien! Nickel! La chambre! Ah, comment tu connais la chambre? Non, je voulais dire le salon! Bah, y'a toujours une chambre, monsieur, dans une maison. Vous qui faites ça là quand même par hasard là. Mais non, mais monsieur, y'a toujours une chambre dans une maison, c'est pour ça qu'il a dit ça. Bon, on peut avoir nos bons becs ou et partir ou pas, monsieur? Ah, y'a encore ton papa dans la forêt là-bas. Ah ouais? Ah oui! Hey, la langue. Hey, il nous surveille ton père, hein. On va pas faire de conneries, c'est sûr qu'il fait que. Y'a son père qui arrête pas de nous surveiller, il est déguisé comme lui, en Michael Myers. Merci, monsieur. Salut, coucou à ton papa. Merci. Bah, il arrive. Ah ouais, il arrive. Ouah, il est grand. Ah, il est trop stylé! Il est grand quand même! Oula! Et il se dégage. Voilà. Et il a mis une enceinte, ton père! Ça il a mis l'enceinte du film! Ah ouais, il a fait une enceinte comme toi! Putain! Ouah, il fait flipper! Oula. Ouah! Putain! Oh putain! Aidez-moi, les gars! Ouah!
Oh mon dieu! Oh, ton père a tué quelqu'un, mec! Cul de sac, vite! Et putain, ton père, il a pété un cap, Daryl! Il est complètement taré, ton père! Mais c'est pas mon père, c'est pas possible! Il est gentil, mon papa. Oh. Il a fait les costumes. On est bloqué là. Hey, il a trucidé un mec. Il a trucidé un mec. Wow. Ouais, mais la feuille, on est à cul de sac là. Faudrait pas. Ah. Viens vite. T'as tiré. Ouais. Je crois que je l'ai eu. Oh, il a mal, il a mal. Oh faut merde. L'aider, faut l'aider. Monsieur. Désolé. J'ai cru que c'était le tueur. Oh là. Monsieur, ça va. Monsieur. T'as tiré sur lui. Oh merde, merde! Oh putain, je vais aller en tôle, j'ai que 16 ans! Oh non! Monsieur, ça va? Mais non, monsieur! Ils vont le savoir! C'est pas nous! Vous m'avez tiré dessus! Je suis désolé, monsieur! Putain, j'ai 16 ans, s'il vous plaît, le dites pas à la police! Oh bordel! Et on s'en va vite, on s'en va! Bordez ma plaie! Ok, les gars, faut se barrer vite! Faut se barrer, les gars! Désolé, monsieur! Et doucement! S'il vous plaît! Vite, on se casse, les gars! On se casse! S'il vous plaît, les gars! Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu lui as tiré dessus? Eh, j'ai cru que c'était ton. Enfin, ton père! J'ai cru que c'était le tueur! Oula! C'est quoi cette musique? Oh bordel! Là, 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 là. Ah! 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 Oh non! Nathan! Nathan! Oh bordel! Ah! Ah! Eh, t'approches pas, mec! Mec, t'approches pas! J'ai un putain de gun! Mec! Et moi, j'ai un couteau! On est dans la merde. On a putain de tueur, on trouve. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Faut se casser de là. Hé, hey, monsieur. On rigolait tout à l'heure. Aidez-nous. Ne crie pas. Ah, y a Michael Myers chez vous. Écoutez. Monsieur, on s'excuse pour tout à l'heure. Écoutez, il faut qu'on le piège. Mais on s'excuse, monsieur. Wesh. Quoi? Ok les gars, il faut le piéger, d'accord? Il faut mettre des trucs partout. Moi, je regarde David. Merci monsieur, j'ai mis des cordes partout. Comme ça, dès qu'il tombe, regardez, je vais sortir mon truc. Ok les gars, on va l'avoir, ce fumier. J'ai un truc pour vous, d'accord? Monsieur, vous avez peut-être... Monsieur, faites un cocktail Molotov. Tiens, j'en ai un. Non mais gardez-le aussi, Lancez-le vous. Ok, il est où? J'ai. Il est dehors. Ok les gars, et il faut essayer de le... Je t'ouvre la porte. Oh mon dieu. Les gars, je crois qu'on l'a eu. Oh bordel. C'est bon, vous avez l'extincteur. Faites gaffe. Faites gaffe aux cordes. Plus là. Comment ça? Il a disparu. Oh, il n'y a plus le corps. Y'a plus le corps! Putain de merde! Je crois pas, il était mort pourtant, il était mort! Et il était à terre! Vite, il faut se tailler! Bah oui! Tu vas revenir, il va se manger! Écoutez, faut. Je pense qu'il faut se casser! Y'a mon oncle qui habite dans le chalet là! Il faut qu'on aille se réfugier chez lui, c'est un survivaliste! Il a un bunker et tout! Si on se met chez lui, c'est sûr que tout ira bien! Il pourra pas rentrer dans le bunker! Réussir, oui. Ouais. Pas 2 mètres! Ah voilà, c'est là la maison de mon oncle! Oncle Scott! Non mais t'es sûr que c'est là? Ça fait peur, hein. Bah quand même, je connais chez mon oncle. Bah ouais, mais lui c'est un mania de d'Halloween, il adore Halloween et tout. Oncle Scott! C'est moi! Je suis en tronçonneuse, même si c'est pas une vraie. Oncle Scott, c'est Ryan! Non. Eh bordel, la vitre est cassée! C'est pas normal ça! Monsieur... Ah! Oh bordel! Bordel, il est mort! Putain. L'entrée du bunker est par là. Il active un truc, elle est sous le plancher. Oh bordel, c'est quoi? Merde. Les gars, on va tous crever, c'est sûr, là, c'est l'heure de la fin. J'ai envie de mourir. T'inquiète, on va pas crever. Daryl, essaie de le poignarder s'il arrive. Ouais, je vais le poignarder. Moi, j'ai rien. Protège-moi, protège-moi. T'inquiète, je tire. Si je le vois, je tire direct. Je sais pas ce qu'il fout son père à Daryl. Je sais même pas si c'est pas son père qui fait ça depuis tout à l'heure. Oh, porteur. Ah. 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 Non, attention, Daryl. Daryl, non. Non. Cours, Nathan. Cours. Je me suis blessé à la jambe. Viens vite. Nathan. Si vous avez kiffé cette NRP, bombardez les likes, abonnez-vous et je vous dis à tout ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!